Dure Limite est le quatrième et avant-dernier disque du plus important groupe de rock hexagonal des années 70 et 80, Téléphone, fraîchement signé par leur nouvelle maison de disques, celle du milliardaire Richard Branson, Virgin. À la production, il recrute celui qui fut derrière l'album The Wall des Pink Floyd, Bob Ezrin. Et quand le disque sort au printemps 82, le groupe est déjà auréolé d'un énorme succès. Mais maintenant, les quatre membres du groupe, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et Corinne Marienneau, rêvent de s'exporter à l'étranger, avec évidemment en ligne de mire la mère patrie du rock, les États-Unis d'Amérique. L'idée, c'est donc de traduire les textes de l'album pour les enregistrer en anglais. Et pour cette délicate mission, ils n'engagent rien moins que Lou Reed, le Lou Reed, ex-Velvet Underground et interprète du mythique Walk on the Wild Side. La version anglaise ne verra malheureusement jamais le jour, mais la version originale, Made in France, s'écoulera, elle, à près d'1 million d'exemplaires.